avec 59 points. Certes, 12 points séparent ces deux équipes, mais les joueurs savent que ce match a une autre signification pour les supporters et s'appelle l'honneur, l'amour du maillot, la dignité, la considération de gagner un classique. On va regarder ensemble la composition des deux équipes. Quelle ambiance ce soir au Parc des Princes, quelle ambiance! Avec dans les buts parisiens, Donnarumma, Mendes, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi en défense, Verratti, Paredes, Danilo en milieu de terrain, et le trio d'attaque, Neymar, Mbappé, Lionel, Messi. Du côté marseillais, ça sera Lopez dans les buts. Perez, Caleta-Sar, Saliba, Rongier en défense. Gerson, Camara, Guendouzi en milieu de terrain. Payet, Milic et Under devant. Pour les hommes de Jorge Sampaoli. Les Marseillais qui se regroupent, très concentrés. Et le coup d'envoi va être donné par les Marseillais sous les sifflets du parc. Et c'est Milic qui va s'en charger. Et c'est parti pour cette première période, pour ce classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et le ballon pour les Marseillais. Très agressif, Neymar qui perd ce ballon. Non, il peut le récupérer. Récupéré par l'Olympique de Marseille. Saliba, Camara. Camara qui va écarter. L'autre côté, c'est bien fait pour Perez. Qui écarte sur Dimitri Payet. Dimitri Payet qui fixe Marquinhos. Il garde ce ballon. Il écarte de l'autre côté. C'est bien fait. Under, le Turc qui récupère le ballon. Il préfère remettre derrière sur Rongier. Under, Camara, ça combine bien du côté marseillais. Qui sont bien rentrés dans cette rencontre. Rongier. Rongier qui écarte sur Camara. Milic qui remet sur Gerson, le Brésilien. Talonnade pour Gerson. Et Marquinhos récupère ce ballon. Hakimi, le Marocain, qui remet sur Marquinhos, le capitaine courage de cette équipe parisienne. Messi, Danilo qui va écarter sur Marco Verratti. Qui remet à Danilo, Marco Verratti. Il perd ce ballon, mais sinon il peut le récupérer pour Hakimi. Il remet sur Hakimi. Mbappé. Hakimi, Hakimi toujours, Hakimi en profondeur pour Mbappé, il est hors-jeu, Kylian Mbappé. Et les Marseillais vont pouvoir se relancer, on revoit cette occasion, cette passe, mais il est hors-jeu, Kylian Mbappé, le prodige français. Et Caleta-Sar, le croate, va pouvoir dégager. Récupérer la tête par les Parisiens, attention, ça revient très vite, avec Kylian Mbappé, passement de jambe, mais il ne passera pas la défense marseillaise. Camara, Perez, Gerson, Gerson qui cherche une solution, il la trouve avec Dimitri Payet, Gerson, Milic, oh super Milic, crochet, crochet droit, Milic qui remet à Guendouzi, Guendouzi, Guendouzi qui va écarter sur Under, il est passé Under, il passe Mendes, Under, la frappe d'Under au-dessus de la cage de Donnarumma, le portier italien de cette équipe parisienne revoit cette frappe au-dessus, juste au-dessus de la barre. Ah, il s'en veut Under, il s'en veut de ne pas avoir cadré cette frappe. Et Donnarumma va pouvoir se dégager. Première grosse occasion pour l'Olympique de Marseille dès la 16e minute de jeu. Et récupéré par Mendes. Verratti qui va écarter sur Paredes. Mbappé. Danilo. Danilo, Messi. Mbappé. Mbappé. Danilo. Kylian Mbappé. Qui remet sur Verratti pour Lionel Messi. Qui perd ce ballon. C'est récupéré par les Marseillais. Gerson, Milic. Milic en profondeur, mais il ne trouvera pas Dimitri Payet. Ça peut être récupéré par les Parisiens. Verratti, Messi, Lionel Messi. Messi qui va provoquer la défense marseillaise. Lionel Messi dans l'axe pour Kylian Mbappé. Frappe ! L'arrêt extraordinaire de Lopez. Quel arrêt divin ! Et qui met ce ballon corner. On voit cette frappe de Verratti. Et cet arrêt du bout des gants. Qui sort ce ballon en corner, Lopez. Pochettino, on n'en croit pas ses yeux. Il lève la tête au ciel.
Et ça sera un corner, le premier corner pour les Parisiens de cette partie. 22e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Verratti, ça joue de temps, il rentre dans la surface d'opération. Verratti qui garde ce ballon, qui remet dans l'axe pour Messi, Paredes. Danilo, la frappe de Mbappé ! Encore ! Un super barré ! Il se tient la tête à deux mains, Kylian Mbappé ! On revoit cette frappe de l'extérieur du pied droit ! Et il faut toute la vigilance du portier olympien pour sortir ce ballon en corner. Et ça sera le deuxième corner pour le Paris Saint-Germain. Neymar pour tirer ce corner. Alors est-ce qu'ils vont jouer à deux? Non, ils préfèrent le mettre au premier poteau, la tête. Ça sera sans problème pour Lopez. 25e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. C'est récupéré par les Parisiens. Danilo, Mbappé qui essaye de donner. Il récupère encore ce ballon. Mbappé dans la... Pour Neymar, au-dessus de la cage de Lopez. Il n'a pas pu cadrer le Brésilien. On voit cette frappe de l'extérieur du pied. Et ça passe juste au-dessus de la frappe, de la barre, pardon, de Lopez. Ah, il s'en veut Neymar. Il n'a pas pu cadrer, comme tout à l'heure, Under. Et on en reste là pour le moment, sur ce score de 0-0, Lopez. Qui va dégager loin devant. Verratti. Et il y a une petite faute, Et les Marseillais vont récupérer le coup franc. Et c'est Saliba qui va s'en charger. Saliba. Loin devant. Ah, c'est mal tiré. C'est mal tiré de Saliba. Ça sera sans problème pour Donnarumma. Kimpembe. Verratti. Verratti qui écarte sur Neymar. Qui va rejouer sur Paredes, l'Argentin. Danilo. Messi qui remet à Danilo. Ça joue vite du côté parisien. Verratti. Neymar. Paredes. Verratti. En profondeur pour Mbappé. Il ne trouvera pas Messi. Et superbe tacle de la défense marseillaise. Camara. Gerson qui remet sur Pérez. Payet, Dimitri Payet, ah il a de l'espace, Dimitri Payet, côté gauche, Dimitri Payet, il va peut-être pouvoir centrer, non il préfère revenir sur lui-même, préfère garder ce ballon et revenir derrière sur Pérez toujours, Dimitri Payet, petit crochet, passera pas Marquinhos, il passera pas Marquinhos, mais il va garder la touche Dimitri Payet, et il va jouer sur Gerson, le Brésilien, il a passé son compatriote Marquinhos, et Marquinhos récupère ce ballon, Marquinhos qui joue sur Hakimi, Marquinhos qui va écarter sur Danilo, et ils ont du mal les Parisiens à construire, à aller de l'avant, Verratti qui va écarter, Mendes, ça y est ils ont fait le décalage, Mbappé qui revient derrière sur Paredes, qui est bien pris par le Guendouzi, Milic qui va écarter, il est pas hors jeu, Under que contrôle ce ballon, il remet dans l'axe pour Milic qui petit ballon pour Gerson, c'est récupéré par Dimitri Payet, frappe et l'arrêt de Donnarumma, qui sauve la maison parisienne pour le moment, Gerson peut récupérer ce ballon, c'est pas fini pour les Marseillais, Gerson, Pérez, petit crochet c'est bien fait pour Gerson, qui rentre à surface et ça sera un corner pour les Marseillais. On joue les arrêts de jeu de cette première période. On revoit cette occasion de Dimitri Payet, cette frappe et cette superbe envolée de Donnarumma, le portier italien de la squadra Azzurra. Et ça sera un corner pour les Marseillais. Dimitri Payet dans la boîte. Dégagez du poisson, viens. Ouh, et Neymar sauve ce ballon et dégage. Et c'est la fin de cette première période sur ce score vierge de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Pas de but dans cette rencontre. On se retrouve pour la deuxième période.
Allez, on se retrouve pour cette deuxième période entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et ça sera le coup d'envoi donné par les Parisiens. Messi, qui va jouer sur Danilo. Verratti, qui joue avec Mbappé. Verratti, Paredes, qui rejoue avec sur Mbappé. Mbappé, qui fixe, il est taclé. Il y a peut-être une petite faute, dans l'arbitre ne dit rien, il demande de jouer. Danilo, il pousse trop son ballon. C'est récupéré sans problème pour la défense marseillaise. Caetassar, Camara, qui joue sur Milic. Gerson, Milic, toujours Milic, qui donne à Guendouzi au milieu de terrain, Gerson, le Brésilien, Gerson, qui pousse à Milic, qui va écarter, c'est bien fait sur Rongier qui joue tout de suite sur Under qui rentre à la surface d'opération, il fixe Mendes, et talonnade, Dimitri Payet, il arrive, superbe, de Donnarumma, devant Dimitri Payet, qui n'a pas pu croiser ce ballon, et tromper la vigilance de Donnarumma, c'est relancé, Mendes, Kimpembe, sur Danilo, Hakimi, sur le côté droit, qui va jouer avec Kylian Mbappé. Messi, qui rentre, qui fixe toute la défense. Il est passé, Lionel Messi, magnifique, Argentin. Messi qui rentre sur cette opération. La frappe de Messi, c'est contré par les Marseillais. Et récupéré par les Marseillais. Guendouzi, Milic, qui revient derrière sur Guendouzi. Dimitri Payet, magnifique, qui passe par Kinyos. Il pousse un peu trop son ballon. Et Kimpembe peut récupérer ce ballon. Kimpembe, Paredes, Danilo, Messi, revient derrière, Paredes, Verratti qui écarte, sur Kylian Mbappé qui fixe, qui transperce la défense marseillaise, qui frappe et qui marque, non, l'arrêt de Lopez, superbe, mais quel match de Lopez et de Donnarumma, deux grands gardiens ce soir, entre ces deux équipes, Guendouzi, petite pichenette pour Milic, il est hors-jeu, qui remet sur Dimitri Payet, qui s'emmène ce ballon de la tête, qui remet sur Milic, et la frappe, et quel arrêt de Donnarumma, il n'en croit pas ses yeux. Milic revoit cette petite passe de la tête de Dimitri Payet, et cette frappe de Milic, et il faut une superbe parade du portier parisien. Corner pour les Marseillais, Dimitri Payet, le capitaine de cette équipe. 64e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et premier changement dans cette partie, avec la sortie d'Arkadiusz Milic et l'entrée de Cédric Bakambu. Il fait des sympas, Sampaoli. Le corner est dégagé de Neymar, mais ça va revenir du côté Marseille avec Guendouzi. Guendouzi toujours, et c'est repris par les Parisiens. Messi, l'Argentin qui donne à Danilo. Danilo, il est un peu isolé, il est obligé de revenir derrière. Sur Paredes, Marquinhos. Paredes qui va écarter sur Neymar. Neymar, ça revient derrière sur Verratti. Messi toujours qui va écarter sur Danilo. Lionel Messi, Verratti pour Mbappé. Mbappé qui a le ballon, il tente la talonnade mais ça ne passera pas. Et c'est récupéré par les Marseillais. Pérez, Dimitri Payet, côté gauche, Dimitri Payet, il a passé Danilo, il le prend de vitesse, il fixe Hakimi, il redonne à Gerson. Pérez qui pousse un peu trop son ballon et c'est récupéré par les Parisiens. Lionel Messi, Mbappé, Messi qui fixe la défense marseillaise, il faut un superbe tacle de Saliba. Et Pérez peut récupérer ce ballon. Pérez sur le côté gauche. Pérez toujours. Et on en est rentré dans le dernier quart d'heure de ce classico. Et toujours 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et changement du côté parisien. Et c'est la sortie de Paredes et l'entrée de Wijnaldum, le Néerlandais, qui remplace l'Argentin. Les Marseillais peuvent faire cette touche avec Caetassar qui va redonner à Bakambu. Bakambu, magnifique, il arrive à garder ce ballon. Guendouzi qui rejoue sur Bakambu, ça combine bien du côté marseillais. Camara est très bien défendu de la part des Parisiens. C'est dégagé loin devant, mais ça va être récupéré par les Marseillais. Avec Caetassar, Saliba, Rongier, qui va jouer de l'autre côté sur Caetassar, qui rejoue sur Pérez, Dimitri Payet,
Dimitri Payet, il est passé, petit crochet, c'est magnifique, petit Dimitri Payet, il peut prolonger sur Pérez, Pérez qui redonne à Tirson, le président qui redonne sur Pérez, Tirson, ça tape le poteau, et ça ne rentre pas dans le but parisien, et quelle occasion, mais quelle occasion pour les Marseillais, les Parisiens ont eu chaud, Neymar, Verratti, Mbappé, Kylian Mbappé toujours, Wijnaldum qui joue avec Messi. Messi qui écarte sur Danilo. La frappe de Danilo et c'est contré. Récupère Mbappé. Mbappé toujours dans la surface d'opération. Kylian Mbappé qui garde ce ballon. Kylian Mbappé talonnade. La frappe et c'est contré. C'est dégagé in extremis par les Marseillais. Quelle défense Marseillaise. Quelle défense. Gerson. Gerson côté gauche. Gerson. Gerson il a du champ. Gerson. Gerson à 2 minutes de la fin. Gerson côté gauche. Gerson toujours petit crochet, il revient derrière sur Pérez qui rejoue sur Gerson, le centre est dégagé par Marquinhos de la tête, ça va être récupéré par Wijnaldum. Wijnaldum qui remonte ce ballon, peut-être pour la dernière occasion de ce match, on joue les arrêts de jeu et c'est fini sur ce score de 0-0 entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. On est tombé sur deux grands, deux immenses gardiens des deux équipes pour en finir sur ce 0-0. Je vous laisse là-dessus pour ce classique. Merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt.